Monsieur Bélanger, vous présentez en bas de tableau du grand handicap de Deauville. Gion Pic, qu'avez-vous pensé de sa rentrée? Il fait une très bonne rentrée après analyse. C'est vrai qu'en ce moment, la PSF à Deauville, elle est un peu lourde, donc c'est pas forcément propice pour Gion Pic. Non, c'était une très bonne rentrée. En plus, il y a eu deux leaders qui sont allés assez vite devant. Nous, on était derrière eux. Non, très très bien, très bien. Le cheval est vraiment bien rentré. Le contexte sera complètement différent pour Gion Pic ce dimanche. Oui, ben pour mon écurie, il a encore jamais couru sur le gazon. Il a gagné à Lyon-Paris. Là, dimanche, c'est 1600 mètres ligne droite, donc la distance est vraiment parfait pour lui. Si le gazon n'est pas trop mouillé, il devrait pouvoir s'en sortir et s'adapter à la ligne droite. Je pense que c'est un cheval que ça devrait pas déranger. Mmh. Bon, il y a quand même quelques doutes là, donc pour cet engagement sur le gazon. Ah oui, c'est sûr qu'on y va. On y va moins confiant que les dernières fois, mais c'est un beau challenge. Le cheval a fait énormément plaisir à son propriétaire cette année, donc c'est un peu lui qui a décidé de courir le cheval dimanche, quoi. Vous êtes tangent entre la première et la deuxième épreuve, vous êtes content d'être là, dans le grand handicap, directement, dans Deauville? Bon, finalement, c'est pas plus mal, parce que, personnellement, moi, j'étais pas chaud de courir cheval, mais c'est vrai que c'est un beau challenge. Le cheval, il est vraiment en pleine forme en ce moment à l'écurie, donc avec un tout petit poids, on sait jamais...